Globalement, on peut résumer après 10 jours de la catastrophe que le Maroc a démontré une certaine réactivité, une certaine résilience, une réponse très appréciée par rapport à ce qui s'est passé à la région de l'Haous. Il ne faut pas oublier que ce séisme est particulier parce qu'il a dépassé les 7,2 sur l'échelle internationale de Richter, ce qui permet de dire que c'est le plus grand séisme après à peu près 120 ans sur tout le continent africain. Et donc c'est une première pour le cas du Maroc. Maintenant, sur le plan de la réactivité, le Maroc, depuis le premier jour, ça veut dire depuis 23h11 heure Maroc, il a commencé à mener dans une cadence très positive et très consolidée les mécanismes pour pouvoir rétablir la situation normale dans les 5 provinces et aussi dans l'épicentre de l'Haous. Et donc ça a commencé par Sa Majesté le Roi qui a arrêté sa mission ou sa visite en France. Il est rentré la nuit même pour pouvoir commencer un peu à trouver les solutions optimales sur les 24 heures d'après. Et je pense qu'aujourd'hui, après 10 jours, nous sommes dans une maîtrise totale de la situation. Et ça a été dit, que ce soit par des pays ou aussi par des organismes, aux organisations internationales. Et là, je cite par exemple l'ONU et aussi la Banque mondiale qui ont déclaré que le séisme est sous contrôle. Et donc, toutes les actions qui ont été menées par le Maroc étaient des actions qui étaient très positives et très saluées par le monde entier. Aussi le président américain. Oui, tout à fait. Aussi le président américain. Et lorsque j'ai cité un peu les organisations internationales, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur le fait que le Maroc était très résilient. Il a démontré sa capacité à dépasser un choc aussi énorme que le séisme de Al-Haous, qui dépasse largement le dernier séisme de la Turquie. Deuxième élément très important, c'est que les actions qui ont été initiées par notre auguste souverain n'ont pas tardé. Donc il y avait les réunions qui ont été menées, les réunions de travail, donc les réunions qui ont mis en place pas uniquement un plan stratégique, mais également un plan d'action qui était effectif pour la région. Et la dernière réunion de travail a donné lieu à des actions qui étaient concrètes. Premièrement, des enveloppes ou des portefeuilles d'argent qui vont être octroyés aux citoyens, aux ménages qui ont été touchés par le séisme. Nous avons également de l'argent qui va être donné directement pour pouvoir réhabiliter les maisons qui ont été détruites et celles qui sont partiellement détruites. Et donc, ce qui donne un enveloppe totale à peu près, qu'on voisine nous les économistes, aux alentours de 20 milliards de dirhams, qui a été mobilisé dans le contexte qu'on connaît en termes budgétaires pour le cas du Maroc. Ce qui permet de confirmer ce que j'ai dit auparavant, c'est que nous sommes un pays qui a une très grande résilience par rapport au choc et sa réactivité est toujours très positive. Il y a également un deuxième élément, c'est que les réunions interministérielles n'ont pas tardé. Nous sommes aujourd'hui à la troisième réunion qui a été, présidée par le chef de gouvernement. Et donc, dans cette réunion, nous sommes aussi dans une tendance qui était positive. Aujourd'hui, nous avons des comités qui sont sortis sur le terrain, les comités d'experts, pour pouvoir évaluer l'état des catastrophes des maisons. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans les choses techniques et les choses palpables pour pouvoir commencer la construction. Et je pense que avec ces commissions, avec l'évaluation qu'elles vont faire, elles vont pouvoir arriver à mettre en place un plan accéléré de réhabilitation et de construction des maisons. Maintenant, le plus important, et c'est ce qui a été signalé par notre auguste souverain, c'est que ces constructions doivent respecter à la fois la culture de la région. Donc je parle ici des 5 provinces et précisément aussi la province de l'Haous. Ils doivent respecter un peu la construction ancestrale des maisons qui existaient, parce que ça représentait une certaine culture très ancienne pour le Maroc. Et également, ça c'est très important, ça a été aussi soulevé par notre auguste souverain, c'est que ça doit respecter aussi les coutumes des gens qui habitent dans ces régions-là. Et donc je pense que tout ce plan-là n'est pas un plan uniquement de réactivité sur le court terme. Il y a également ce qui a été signalé par notre roi, par le roi Mohamed VI, c'est qu'il y aura un plan de développement pour les 5 provinces qui va changer complètement et ça va bouleverser un peu, que ça soit la culture économique là-bas, le développement économique dans les 5 provinces, et également nous allons voir de nouvelles provinces qui vont naître après le redéploiement de ce plan de développement pour les 5 provinces. Il y a un autre point que nous avons omis, c'est celui de la scolarisation qui a repris une semaine pratiquement après le terrible séisme. Très bien, je reprends ici les mots qui ont été
je dirais, déclaré par aussi par notre auguste souverain après la réunion et après la déclaration du Palais Royal, c'est qu'il faudra, il l'a dit, on l'a dit directement et texto dans la déclaration, il faudra que les services publics reprennent rapidement. Et lorsqu'on parle des services publics, on parle de la santé, elle est là, on parle également de l'éducation. Il est intolérable aujourd'hui, ça c'est parmi les choses sur lesquels on peut saluer le Maroc et aussi on peut saluer notre auguste souverain, c'est qu'on ne permettra pas qu'un jour soit, je dirais, perdu dans la vie de scolarité de nos enfants. Et donc de là, il y a des écoles aussi qui s'établissent, il y a des déplacements qui vont se faire vers les régions qui sont ou, je dirais, moutonnières ou qui sont à proximité des cinq provinces. Il y a aujourd'hui des écoles qui sont en train d'être posées dans les villages, dans les régions pour pouvoir continuer la scolarité. C'est pas uniquement pour le primaire, secondaire, aussi l'enseignement du collège, mais également pour l'enseignement supérieur, il y a une certaine réadaptation des universités, il y a aussi une certaine, hybridation, je dirais un enseignement hybride qui va rentrer en conséquence pour pouvoir accompagner nos étudiants et aussi à gagner cette scolarité parce que il est intolérable, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une journée perdue sur la vie de nos enfants. La vie doit continuer dans les cinq provinces, dans sa normalité. Et aussi, on ne permettra pas, et ça a été le langage du discours un peu, de la déclaration du Palais Royal, il est intolérable aujourd'hui que les services publics manquent à ces régions-là ou à ces provinces qui ont été touchées par ce malheureux séisme.